Là, vous me regardez, et je vous en remercie. Et vous vous dites, ce mec-là, bronzé comme il est, il nous arrive forcément d'un week-end en Normandie. C'est pas faux. Ben oui, oui, effectivement. Oui. L'autre jour, Véronique, ma fiancée, me dit, Franck, ce week-end, on part s'éclater en Normandie dans la villa de Loïc. Attends, ma petite chatte, t'emballe pas. Y aura qui? Loïc? Ouais, c'est normal, c'est chez lui. Son copain Claude, le coiffeur. Oui, le visagiste, si tu préfères. Enfin bon, il est de l'autre côté de la barrière, quoi. Arrête, Véronique. Il fait des UV, il passe ses vacances à Mykonos. Ne sois pas naïve. Enfin bon, qui d'autre? Lucie? C'est qui, Lucie? Je la connais. La nouvelle copine de Loïc. Et elle est bonne? Enfin, je veux dire, elle est sympa comme fille. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Mannequin. Ça tombe quand, ce week-end? Et c'est extraordinaire. Non, parce que je me demande ce qu'une mannequin peut faire avec un mec comme Loïc. Bon, il est bourré de pognon, d'accord, mais enfin, merde. Non, ça peut pas être la seule raison. Ce mec a forcément un secret pour plaire aux femmes. Et je peux vous dire que je vais pas le laisser faire. Hein. Alors, écoutez, c'est simple. Vous savez quoi? On va le piéger. Mais attention, public. Je veux tout le monde sur le coup. Vous êtes prêts? Ouais. C'est bon, j'en ai trois. Je prends les meilleurs. On va le piéger, le Loïc. Repassez-moi l'enregistrement. Oui, allô? Salut, Véro. C'est Loïc, à l'appareil. Dis-moi, ça te dirait de venir passer le week-end à la villa avec ton comédien de merde? Ah ouais, oublie pas ta raquette. Ciao. Stop! Go back to the debut. Oui, enfin, je veux dire, revenez en arrière. Enfin, bon. Oui, allô? Salut, Véro. C'est Loïc, à l'appareil. Dis-moi, ça te dirait de venir passer le week-end à la villa... Stop! Vous entendez derrière? Effacez sa voix et faites-moi l'agrandissement numérique de tous les sons externes. C'était bien chez Laurette. Stop! Ce mec écoute Michel Delpech. Ah bah on est tombé sur un gros coup, les gars. Une top modèle amoureuse d'un mec qui écoute Michel Delpech. Mais attention, non, j'ai rien contre les week-ends d'entre amis. Hein. Non, mais moi, j'ai horreur de partir sans savoir chez qui je mets les pieds, c'est tout. En plus, bon, ben, on n'est pas à l'abri de l'ami jaloux, hein. Bon, remarquez, avec moi, c'est un petit peu normal. Je suis comédien, ça fait rêver, ça, c'est sûr. Non, en tout cas, non, en arrivant au week-end, j'ai mis les choses au point tout de suite. Hein. Ah ben, je suis descendu de la voiture et je leur ai dit. Oui, oui, je suis comédien, oui. Oui, je connais des gens que vous ne connaissez pas. Mais je vous préviens tout de suite. Hein. Je suis ici pour me reposer. Alors, s'il vous plaît, on ne parle pas boulot, OK? Hein, en plus, mardi, là, j'ai un casting pour un film américain, là. L'histoire d'un mec très beau, amoureux d'une fille sur un bateau qui coule. Enfin bon, c'est le boulot. J'ai pas envie de parler de ça. Surtout que je vais signer un gros contrat de publicité, là, avec Head and Shield. Avec Petrolan, là, qui va me rapporter pas mal de... Comment? Oh oui, excusez-moi. Bonjour. Salut, Loïc. Tu vas bien? Salut, Claude. Qu'est-ce que je fais? Je te fais la bise. Je te taquine, Claude. Tu vas bien? Oh, mon Dieu, tu transpires, mon cochon. Bonjour. Je suppose que tu es... Lucie. Je suis Franck Dubosc. Si je peux me permettre, Lucie, j'aime beaucoup la texture de tes collants. Comment? Ce sont des bas? Tu veux dire avec les petites bretelles et tous les trucs là qui... Tu vois, Véronique, que ça fait pas forcément salope. Tu veux que je t'aide à porter tes valises, Lucie? Attends, Véronique, ça va, on a de malheureux petits sacs de merde, tu peux quand même les prendre, mince. En plus, toi, tu risques pas d'effilocher ton jogging. Non, non. Un début de week-end, très sympa. En plus, bon, bah, il faut avouer que Loïc est peut-être très con, mais... Pourquoi je dis peut-être? Non, mais sa maison est vraiment très chouette. Hein. Oh là là, un petit coin de paradis à 200 km des Sunlights. Oh mon Dieu, regardez dans le champ là-bas, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vache? Oh, c'est énorme!
Oui, si, j'en avais déjà vu, bien entendu, dans des documentaires sur Jean Gabin. Mais... Alors, c'est donc cet animal qui fabrique le lait pour les villes. Oh là là, ah, c'est extraordinaire. Oh mon Dieu, et ça, qu'est-ce que c'est? Non, là, je déconne, Claude. Non, j'ai bien vu que c'était un piano. Je suis pas complètement con non plus. Tiens, en parlant de con, Loïc, je peux me permettre? Il y a une éternité que j'ai pas joué. Hein. Tiens, Véronique, tu m'amènes un verre de scotch on the rocks, s'il te plaît, tu es gentil. Ah, j'ai peur. C'est mauvais, c'est mauvais. Oh. Merci, ma baby doll. Tiens, tu me le tires, t'es gentil. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien vous jouer? Oh non, je sais. Je vais vous jouer un truc que j'ai écrit sur un coin de table au Mexique un soir de blues. Peut-être était-ce à Elzin, qui que sais-je. Tiens, Lucie. Tu peux me tenir ma cigarette? Si il te plaît. Merci. Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras. Je sais, c'est pas le remède à tout, mais faut se forcer parfois. Lucie, Lucie, dépêche-toi. Une fois, et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais... C'est pour toi, Véronique. Oh, quel bonheur de se retrouver à la campagne comme ça, avec sa petite femme. Et ses amis? Non, alors qu'ailleurs, d'autres se préparent déjà à sortir au restaurant, au cinéma, en disco-club, que sais-je. Tout ça est tellement loin. Oh, un vol de perdrix! Oh, elles partent se réchauffer dans l'hémisphère sud pour aller fabriquer de nouvelles petites perdrinettes qui, à leur tour, fabriqueront de nouvelles petites perdrinettes. Oh, nom de Dieu! Ah, si j'avais un fusil. Et c'est vrai qu'à la campagne, très vite, tu te fais chier, quoi.